Praise the Lord. Gloire à Dieu. I understand the choir that is supposed to sing, they're still on their way. But because this program is a global program, and all the leaders and all the workers and ministers and all the people who are participating, the professionals in all the countries of the world, they are ready for this time. We love the choir coming to sing, but we cannot wait. They'll have their chance the other days of the program. It may not be their fault that they are not here now, but we love them, we bless everyone, and the administration the Lord will use to bring to bless us during this program, in Jesus' name. And for those of you who are here, we praise the Lord for you. The Lord is going to turn your life and family and ministry around for the better in Jesus' name. Amen. Father, we thank you for this moment. We bless your name for who you are. You have chosen us. You brought us into the ministry. And you want us to succeed. I pray that you empower every participant to succeed in ministry in Jesus' name. Equip everyone. Empower everyone. Engage everyone in the ministry of the word that will bring souls into the kingdom in Jesus' name. We know you have answered. It will be done. And we'll see the evidence in every life. In Jesus' name we pray. Amen. And you'll hear a good, good amen. Amen. God bless everyone. You can sit down. As we begin our ministers and professional conference this time, and we're talking about the desire of God, the decision of God, the decree of God to empower, energize, equip every minister for wonders in ministry. He has revealed his mind to us. What he wants for you. What he wants for me. And I pray this revelation, as we review it again, will be fulfilled in your life. And fulfilled in every life. We're looking at 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. That's the Lord Almighty, the God of power, the God of all possibilities. Talking to Paul the apostle, a minister like you, like me, there were difficulties in the way. There were challenges in the way. And there were things that could have made him stop. Things that could have turned him around. Things could have made him say, it's enough. I can't bear that anymore. I can't move on anymore. He actually prayed about it. There were challenges buffeting him. Whatever the challenges were,
They were so big and so great and so traumatizing that he had to go to God in prayer and say, this is painful. This is pressurizing. This is not convenient or comfortable. He prayed once, no answer. The buffeting still continued. The challenges still continued. And the difficulties still continued. He prayed the second time. No change. No answer. No ease of the situation. And he prayed the third time. And now God answered. And the answer was not to take away the buffeting. Whenever we pray for a problem to be removed, the Lord answers in two ways. Number one, he can remove us. Premièrement, il peut ôter, déplacer la montagne et le fardeau. Ça, c'est une manière d'exaucer. Deuxièmement, la deuxième manière, il peut répondre. C'est de fortifier nos épaules pour porter le fardeau. Deuxièmement, c'est fortifier notre colonne vertébrale pour que nous puissions porter le fardeau et continuer à supporter. Et deuxièmement, c'est de fortifier notre esprit pour que notre esprit ait assez de courage pour supporter ce qui vient comme coup pour que nous puissions avancer. Alors Dieu a exaucé la prière de Paul. En fortifiant ses épaules pour porter le fardeau. En fortifiant la colonne vertébrale pour tenir droit au milieu des défis. Pour rendre l'esprit fort, courageux. Plus fort que les coups qui venaient contre lui. Et donc c'est là l'exaucement de Dieu que nous lisons envers Paul. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Il y a le salut, ma grâce te suffit pour le salut. Il y a la sanctification, la sainteté. Ma grâce te suffit. Peu importe ta tentation, peu importe ce que tu endures, ma grâce te suffit. Quand le vent souffle par-ci, par-là, et les arbres des champs balancent de côté par-ci, par-là, et les forces s'écroulent, ma grâce te suffit pour la fermeté. Au milieu donc des vents, au milieu des tourbillons, le Seigneur répond et dit, ma grâce te suffit. Dans le service où Dieu nous a appelés, quand l'exigence du service est plus forte que notre force antérieure, et tu te dis, mais ceci est plus fort que ce que je croyais. Ah, les pailles sur le chemin deviennent des épines. Ah, les marches deviennent plus difficiles que ce que je pensais, pourquoi je m'étais préparé. Et nous prions à ce sujet. Et il me dit, ma grâce te suffit pour le service.
alors la grâce de Dieu est disponible. Peu importe là où nous sommes et peu importe ce que nous sommes appelés à faire, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul a cessé donc de prier par rapport à cela. Il dit, je l'espère maintenant. Non seulement que je supporte, mais j'en jouis. Parce qu'il le savait. Moi, Dieu le sait, je le sais. Nous les deux, nous le savons. Le ciel le sait. La terre le sait. Tout va bien alors. Alors il a espéré, il a accepté et il en jouit. C'est quoi il dit? Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voyez le verset 10. Verset 10. Donc, à cause de ce que Dieu a dit, parce que dans sa grâce me suffit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les critiques, dans les problèmes de ceux-là qui me ridiculisent. Il dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit des choses en réalité qui devaient me rendre faible. Quand elles viennent, elles me rendent fort. Quand les choses qui chassent les autres du ministère, et ils abandonnent, et ils arrêtent, et ils disent, je ne peux plus continuer. Le fardeau est trop lourd. Les contradictions sont nombreuses. Alors il dit, ils sont faibles, c'est pourquoi ils abandonnent. Mais à cause de ce que Dieu m'a dit, quand je suis faible, je n'abandonne pas, je continue. En réalité, je suis fortifié par les choses qui devraient m'affaiblir. Car quand je suis faible, c'est au même moment que je suis fort. Ça veut dire que les choses qui viennent sur la terre pour me rendre faible, le ciel répond et déverse les bénédictions et me rend fort. Ça, c'est le secret. Comment est-ce qu'il a pu le faire? Pour que la force vienne, pour que la puissance vienne, pour que la grâce soit multipliée. Pour qu'au moment où il devait s'y affaiblir, pour lâcher la balle. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. La psychologie ne le fera pas. Le secours terrestre ne le fera pas. Les promesses humaines ne le feront pas. La dépendance des hommes et des femmes sur la chair ne le feront pas. C'est la force dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes de l'homme ne le feront pas. Le plus grand encouragement sur la terre ne le fera pas. Tu peux avoir le plus grand coach qui coache les autres dans les affaires séculières, ça ne marchera pas. Mais revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est le secret. Vous recevez le secret aujourd'hui. Vous vous appuyez sur le Dieu du ciel et vous serez fort. Que tout le monde dise Amen. Et nous serons forts au nom de Jésus. Je parle ce matin du message intitulé « Rendre le faible fort dans le ministère ». Rendre le faible fort. Est-ce que tu es faible? Ce n'est pas une chose étrange. Tu es un être humain faisant des choses célestes, tu es faible. Donc tu es corps, âme et esprit, tu es chair et tu fais des choses spirituelles, tu confondes Satan qui est spirituel. C'est normal que tu sois faible. Ton corps n'est pas une pierre, ton esprit n'est pas une pierre. Ton endurance est limitée, tu es faible. Moïse était faible, mais il a terminé fort. Élie était faible, mais il a terminé fort. Gédéon a exprimé sa faiblesse, mais il a vaincu. Et tu viens dans le Nouveau Testament, et l'apôtre Paul a dit, les luttes au dehors, les craintes intérieures, ils étaient faibles. Pierre était faible. Il dit, je ne connais pas l'homme. Et le ciel a souri sur chacun d'eux et ils ont fini fort. Peu importe ta faiblesse, peu importe tes difficultés, à partir d'aujourd'hui, la puissance, la force, l'autorité, si tu peux détruire les regards du passé, n'emprunte pas les défis, les problèmes du passé pour planifier ton avenir. Nous, les êtres humains, nous sommes des transporteurs des véhicules de l'histoire. Ne permets pas l'histoire de détruire la prophétie. Nous permettons au passé de détruire l'avenir. Nous prenons les larmes du passé et nous les projetons dans l'avenir pour que lorsque je vais arriver à ce niveau-là, je vais pleurer encore. Nous empruntons les échecs du passé pour gâcher le succès de l'avenir. Mais Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés. Les craintes du passé, les faiblesses du passé, les chutes et les titubes, les rétrogradations du passé, les abandons du passé, oubliez les choses passées. Il dit, moi je ferai une chose nouvelle. Oublie le passé.
n'emprunte pas le passé pour planifier l'avenir. Ils étaient tous faibles, mais ils ont terminé fort. Je vais finir fort. Que le ciel entende ta voix. Que Dieu entende ta voix. Tu ne fais pas confiance à la force humaine, mais tu te confies à la puissance céleste. Revêtez toutes les armes de Dieu. Maintenant, je comprends. Quand j'ai échoué par le passé, c'est parce que je n'avais pas revêtu toutes les armes de Dieu. Si tu étais vaincu par le passé, je comprends le secret. C'est parce que tu n'avais pas revêtu toutes les armes de Dieu. Les situations, les circonstances t'ont mis le dos par terre. C'est parce que tu n'avais pas revêtu toutes les armes de Dieu. Tu essayais de faire les choses spirituelles par la sagesse, par la force humaine. C'est pourquoi nous avons échoué par le passé. L'avenir est plus grand que le passé. Et ce qui rend l'avenir plus grand que le passé, c'est que nous revêtons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Rendre le faible fort dans le ministère. Nous allons considérer trois choses. Premier point donc, faire confiance au même Christ des années passées en toi. Le même Christ en toi. Vous savez la différence entre nous et les gens au temps biblique? Christ n'était pas en eux. Quand ils étaient dans la barque, il était dans la barque, mais il n'était pas en pierre. Quand ils avaient un défi, Christ était là. Il était allé sur la montagne pour prier. Il était leur sauveur. Mais il ne vivait pas au-dedans d'eux. Mais maintenant, nous sommes sauvés. Il dit maintenant, je me tiens à la porte de votre cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui. Maintenant, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le même Christ. Mais maintenant, il vit au-dedans de nous. Fais confiance au même Christ des années passées en toi. Deuxièmement, travaillez comme des serviteurs cultivateurs avec son joug sur toi. Son joug est ce qui est sur nous. Il a ôté le joug du monde. Il a ôté le joug de Satan. Le joug de Satan est lourd, pesant et terrible. Alors, le joug du Seigneur est léger, mais
Le jour de l'homme de Satan est très lourd, pesant. Tu ne peux même pas te complaire, tu dois plaire aux autres. Tu ne peux pas jouir de ce que tu fais sans leur sourire. Le contrôle de l'homme, le contrôle de la femme, le joug de l'homme, le joug de la femme est pesant. C'est comme si tu veux mettre un sac de ciment sur les épaules pour courir. Il dit, il ôte le joug de l'homme. Il ôte le joug de la femme. Il dit, venez à moi. Et prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Maintenant, tu travailles comme un serviteur cultivateur avec son joug sur toi. Imagine quand tu travailles. Je travaille un peu dans le champ de mon père. Et si je travaille alors avec un sac de ciment au dos et je dois travailler sur un terrible, douloureux. Mais quand tu travailles dans le champ de ton père, et donc, quand tu travailles avec le joug de l'homme, de la femme, tu penses aux douleurs de ce joug, tu penses à ce que ça te donne et ça te ralentit. Tu n'arrives pas à avancer, à travailler. Mais nous sommes libérés du joug de tout homme, de toute femme sur la terre. Et tu travailles comme un serviteur, un cultivateur. Le moment de jouir du service de Dieu est venu dans ta vie. Troisièmement, enseigner son second avènement avec soupir et jeunesse. Tu es fervent en le faisant. Et tu es vraiment utile. La force de la jeunesse. La puissance de la jeunesse. La ferveur et la jeunesse que nous avons. Nous travaillons et enseignons. Nous enseignons le second avènement. Nous jouissons du fruit du premier avènement. Vous n'avez pas joui, vous n'avez pas reçu et vous ne profitez pas des produits de son premier avènement, comment pouvez-vous librement enseigner les profits du second avènement? Nous enseignons, nous instruisons les profits du second avènement. Parce que nous jouissons du résultat de son premier avènement. Premier point alors. Fais confiance au même Christ. Fais confiance au même Christ des années passées qui maintenant vit en toi. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même dans sa puissance. Le même dans son amour. Le même qui équipe les gens qui l'envoient. Jésus-Christ le même. Comme il a été avec Pierre, il est de même avec toi.
il est le même en impartialité. Il est le même qui nous revêt de puissance. Il est le même qui nous équipe. Il est le même dans les promesses qu'il a faites. Il est le même dans la puissance qu'il a manifestée. Jésus-Christ, le même sauveur, le même sanctificateur, le même guérisseur, le même rédempteur, le même libérateur, le même dans la miséricorde, le même qui ne fait pas de discrimination. Que tu viennes d'une nation haut placée là-bas, ou bien que tu viennes d'une nation en bas là-bas, Christ le même en impartialité. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, qui a sanctifié Enoch et l'a rendu saint, qui a sanctifié Samuel et l'a rendu irréprochable, qui a sanctifié Pierre et l'a rendu fort, qui a fait de lui une pierre stable et ferme. Qui a sanctifié Paul, l'a rendu irréprochable, saint et sans tache. Le même Jésus qui n'a pas changé, qui revêt toujours de puissance son peuple. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui. Il a pourvu le salut. Si quelqu'un n'est pas sauvé, c'est parce qu'il n'est pas sorti pour aller à lui hors du camp. Il est celui qui sanctifie, qui nous purifie et nous purge. Et nous amène donc à avoir la victoire et le triomphe sur les rejetons de la dépravation. Si nous ne sommes pas sanctifiés, c'est simplement parce que nous ne sommes pas sortis pour aller à lui hors du camp. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Il est notre puissance. Il est notre triomphe. Il est tout en tous pour nous. Si nous n'avons pas la puissance, c'est parce que nous ne sommes pas sortis pour aller à lui hors du camp. Il est donc toujours celui qui vit à jamais et qui vit toujours en nous. Et sa présence en nous nous permet d'avoir les pensées de Dieu. Si nous n'avons pas les pensées de Dieu, c'est parce qu'on ne sommes pas sortis pour aller à lui hors du camp. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui alors à venir à Christ. Et ce qu'il a fait par le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Maintenant je comprends.
Si je ne suis pas alors prêt à porter son opprobre, je ne pourrai pas posséder sa justice. Si je ne suis pas disposé à porter son opprobre, je ne pourrai pas jouir de sa pleine rédemption. Si je pense tout le temps ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent de moi, la main dont ils me minimisent et je ne suis pas prêt à porter son opprobre, alors c'est parce que je ne pourrai pas porter ce qu'il veut, porter son opprobre. Satan va s'en moquer, je m'en fous. Les suiveurs de Satan vont condamner, je m'en fous. La chair faible des autres qui ne pensent pas à lui vont parler, je m'en regarde pas ça. Alors, sans la volonté à porter donc son opprobre, en comprenant qu'il est celui qui porte tout, qui peut tout et qui est tout pour nous, en Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Pense à cela. Il était sur la terre. Le Père était au ciel. Des milliers de kilomètres les séparaient physiquement. Mais le Père, qui est très loin au ciel, est en moi. Et le Fils sur la terre était en lui. Pourquoi est-ce que je vous relève cela? Mais nous sommes maintenant sur la terre. Christ est au ciel. Céleste. Mais comme ce fut le cas entre le Père et le Fils, il en est de même entre Christ et le ministre. Il est au ciel, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre, il est au ciel. Cependant, il vit en nous. Et nous vivons en lui. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Quelle est l'évidence qu'il y a cette interpénétration? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quand nous déclarons sa parole, il confie sa parole en faisant son œuvre à travers nous. Il est en nous. Nous sommes en lui. Et dans le verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il a ouvert les yeux des aveugles parce que le Père était en lui. Il a fait lever les paralytiques et marcher. Le Père était en lui. Il a déclaré des paroles de courage devant Pilate lorsqu'on voulait même le crucifier. Le Père était en lui. Les pharisiens,
Les pharisiens, les sadduciens voulaient lui rendre la vie difficile, mais malgré cela, il a pu avoir un triomphe, une victoire totale. Pourquoi? Parce que le Père était en lui. Il a fait ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Parce que le Père était en lui. Si tu es rempli de toi-même, si tu n'as pas Christ vivant en toi, tout ce à quoi tu penses, c'est ta connaissance. Si tout ce à quoi toi tu penses, c'est ce qu'on t'a enseigné en écrivant la craie sur le tableau, ça ne marche pas parce que la victoire ne vient pas de cette manière. Si tout ce à quoi toi tu penses, ce que tu as appris, on t'a enseigné ou ce que tu as lu dans les livres, et tu es rempli de cela, la victoire ne viendra pas de cette manière. Le Père a vécu en lui. Maintenant, il vit au-dedans de nous. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, tu crois en lui pour le salut. Et il n'y a aucun iota de doute en cela. Il vit en toi comme ton sauveur. Il vit en toi comme ton sanctificateur. Celui qui te purifie. Celui qui te raffine. Et il vit en toi comme le sanctificateur. Tu crois en lui. Comme la puissance du ciel qui vit et demeure en toi. Celui qui croit en moi. Il vit en toi comme le tout suffisant. Le maître des anges et des hommes. Celui qui a vaincu et dominé le diable. Celui qui a renvoyé le Dieu de ce monde. Tu crois en lui. Comme la puissance ultime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu crois en lui qu'il vit au-dedans de toi comme le vainqueur. Celui qui croit en moi. Fera aussi les œuvres que je fais. Pourquoi? Parce qu'il a fait toutes ses œuvres à cause du Père qui vivait en lui. Et nous aussi, nous pouvons faire les œuvres par le Christ infaillible qui demeure en nous. Vous remarquez quand on prend de l'eau fraîche entre en vous. Et lorsque cette eau-là fraîche entre en vous, vous voyez le niveau où ça descend, descend. Et quand ça s'établit finalement, vous ressentez et vous sentez ça en vous. Vous êtes conscient de là où est allée cette eau fraîche. La même chose quand vous prenez un petit chaud ou bien liquide chaud et vous consommez cela. Et quand vous prenez ce petit ou ce liquide chaud, vous sentez là où ça va et ça descend. Quand Christ vit en vous, vous êtes aussi conscient dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, que Christ vit là-bas et vous lui faites confiance.
Parce que ce même Christ vit en vous. Le même Christ des années passées demeure en vous. Vous le savez, et voilà pourquoi donc vous êtes conscient que les œuvres que je fais, il les fera aussi. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Il est maintenant avec le Père. Et il parle du Père à ton sujet. Il dit, voici mon disciple. Voici le ministre que j'ai envoyé. Voici l'homme ou la femme qui me sert. Oh Père, regarde, regarde-moi en lui. Mon Père, regarde-moi en elle. Mon désir est son désir. Mon œuvre est son œuvre. Mon service est son rendez-vous. Il mentionne toujours mon nom. Il est conscient que je vis toujours en lui. Il va au Père, il est assis avec le Père et il parle au Père de toi à tout moment. Et il va partout. Il fait ce que je lui demande de faire. Sa concentration, sa passion, c'est ce que je lui demande de Père, de faire. Et le Fils parle toujours de toi au Père. C'est pourquoi quand tu pries, tu n'es pas un étranger pour le ciel. Quand tu viens servir, tu n'es pas un étranger pour le ciel. Et il fera les œuvres que je fais. Parce que je m'en vais au Père. Les provisions dont tu as besoin, tu lui en parles. Et tu ne parles pas à un sauveur qui est très très éloigné, non, mais à un sauveur qui est en toi. Certaines personnes disent que leur prière ne dépasse pas le toit. Toi, tu n'as pas besoin du toit parce qu'il est dedans en toi. Et donc, celui à qui tu adresses ta prière, il est même en toi, il intercède en ta faveur. Dès que toi tu pries, il envoie ça au Père. C'est ça qui te donne la puissance. Voilà pourquoi la faiblesse du corps n'affecte pas ton esprit, ton âme. Et ce même Jésus vit en toi et tu es plus fort au nom de Jésus. En 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Petits enfants. Ah, moi, je suis un homme. Hein. Ah, je suis dans... J'ai 70 ans. Ah, moi, je suis une femme. Je ne suis pas un petit enfant. Ah, j'ai la cinquantaine. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Pour quelqu'un qui a 1000 ans et quelqu'un qui a 80 ans, il est un petit enfant. Pour quelqu'un qui a 10 000 ans, qui a 20 000 ans, par rapport à celui qui a 100 ans, c'est un petit enfant. Pour Christ qui existe depuis toute l'éternité, des millions d'années d'existence, pour
quelqu'un qui a 50 ans, 70 ans, comparé à Christ, il est un petit enfant. Ce n'est pas Jean qui nous parle. Les Écritures n'ont pas été inspirées et Jean n'est pas l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Et le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures existe depuis des milliers d'années. Alors le Saint-Esprit dit, tu es un petit enfant. Il y a quelque chose au sujet des petits enfants. Tout ce que nous leur disons, c'est ce qu'ils croient. Tu dis un petit enfant, tu as des intestins. Et quand tu manges, ça descend dans ton intestin. Et l'enfant ne voit pas l'intestin dans le miroir. Mais mon papa m'a dit que ce que je mange descend dans mon intestin. Et il raconte ça à tout le monde. J'ai d'intestin. Comme nous croyons comme des petits enfants, et le Saint-Esprit dit, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons l'évidence de celui qui est dans le monde. Mais nous n'avons pas l'image, le portrait de celui qui est en nous. Et toutes les photos que nous faisons, l'appareil photo n'arrive pas à détecter celui qui vit en nous. Alors, toutes les radios que nous faisons ne peuvent pas détecter celui qui vit en nous. Parce que les radios ne détectent pas les esprits. Mais le Saint-Esprit dit, vous êtes de Dieu, petits enfants. Et vous les avez vaincus. Nous n'avons pas encore fini de livrer le combat, mais nous avons vaincu. Christ a livré le combat en ma faveur. Il a vaincu. Sa victoire est considérée comme ma victoire. Et comme il a vaincu, regardez cela, je les ai tous vaincus. Tu n'as pas dit amen pour toi-même. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme le petit enfant croit que son papa, son maman, son enseignant, s'ils sont grands, moi je crois que le Saint-Esprit est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois cela? Et maintenant, partout où tu vas, tu ne crains plus les choses qui sont dehors là-bas, les choses qui t'entourent. Tu dois croire que celui qui est en toi est plus grand et sa victoire est enregistrée pour toi. Maintenant, le deuxième point. Travailler comme des serviteurs cultivateurs avec son joug sur toi. Quelque chose au sujet du joug. Vous ne pouvez pas porter le joug de deux cultivateurs, de deux paysans au même moment. Regardez les animaux à qui on porte le joug. Quelqu'un a ce joug-là. Quelqu'un place ce joug sur ce bœuf. Et quand quelqu'un vient voir qu'il y a un joug-là,
ne peut plus placer un autre joug différent sur ces animaux qu'il cultive. Nous venons à Christ. Par notre volonté, par notre décision, nous nous repentons, nous revenons au Seigneur. Nous rejetons et nous refusons l'ancien maître qui avait son joug sur nous. Et parce que c'est notre décision, et Dieu honore le choix que fait sa créature. Nous sommes détournés de nos péchés. Nous avons rejeté Satan. Nous nous détournons du monde et nous l'annonçons. Nous le déclarons et nous le rendons public. Alors nous ôtons le joug du premier maître et nous venons à Christ. Et il place son joug sur nous. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous. Ce n'est pas prenez le joug sur vous. Le joug de Christ est le joug de Satan. Non, non. Il est antichrist. Toi, tu es pour Christ. Tu ne peux pas avoir le joug de Christ et le joug de l'antichrist au même moment sur toi. Tu ne peux pas avoir le joug du Messie et le joug de l'homme sur toi au même moment. Tu ne peux pas avoir le joug de celui qui produit des prodiges et le joug d'une femme sur toi au même moment. Tu dois rejeter tous les autres jougs. Tu dois rejeter tous les autres contrôles. Tu dois rejeter tous les autres maîtres sur terre. Et dis, prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voyez le verset 30. Car mon joug est doux. Parfois, quand vous avez le joug sur vous, comme vous voyez sur les animaux, si le joug est trop serré, si la personne qui a placé le joug pense plus à elle qu'à toi, qu'à ton aisance, à ton confort, alors tout ce à quoi tu penses, ce n'est pas le service, ce n'est pas la culture. Tout ce à quoi tu penses, c'est la douleur que colle le joug qu'on t'a placé au cou. Mais quand Christ place son joug sur toi, il est conscient de ta douleur, il est conscient de ton aisance. Il amène le joug, donc être de même taille que ta personnalité. Il taille le joug à la mesure du service et du ministère qu'il t'a confié. Il pense à tes expériences, à ton manque d'expérience. Il pense à tes émotions, à tes sentiments. Il te donne également la grâce qui accompagne le joug. Avec le leadership et le contrôle. Et quand tu acceptes son joug et tu n'ajoutes pas le joug d'autrui, tu verras que son joug est doux et son fardeau léger.
Et avec ce jour sur toi, tu peux aller travailler partout où il t'envoie. Tu peux cultiver partout, il t'appelle à cultiver. Et tu peux donc tracer des sillons droits et non des sillons zigzags. Et ce joug ne va jamais être et les outils que tu utilises vont cultiver, vont moissonner et vont tout faire. Parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Et à partir d'aujourd'hui, tu verras que ce sera ton expérience personnelle au nom de Jésus. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et je suis sûr que vous avez déjà vu une fois une image des deux animaux qui portent le joug et qui tirent l'instrument qui fait la culture. Alors si les deux animaux qui portent le joug commencent alors à avoir l'esprit de parti ou les luttes ou chercher la vaine gloire, si nous avons la comparaison charnelle, l'œuvre va s'arrêter. Si nous avons la concurrence charnelle, l'œuvre va s'arrêter. Ne faites rien par esprit de parti, par l'orgueil ou par vaine gloire. Mais que l'humilité le Christ qui a mis le joug sur nous pour que nous puissions cultiver est doux et humble. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand nous pensons que nous sommes plus élevés que les autres, ça c'est l'orgueil, ce n'est pas l'humilité. Et quand nous avons des disputes avec les autres leaders, les autres ouvriers, et nous pensons que leur travail, leur ministère n'est pas important, et que même s'ils échouent, même si ça n'évolue pas chez eux, et que nous, ça marche chez nous, c'est ce que Christ veut, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Ne pense pas comme ça. Tu n'es pas sanctifié. Tout ce que nous faisons. Nous devons donc rechercher la paix avec toute la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Nous devons donc avoir l'humilité et reconnaître les autres. Sinon, si nous mourons dans cette condition, nous ne pourrons pas aller au ciel. Rechercher la paix. Parce que les disputes, l'esprit de parti ne vient pas dans la vie de ceux-là qui cultive dans le royaume de Dieu. L'orgueil ne vient pas. Quand vous ne cultivez pas pour vous-même, mais vous cultivez pour Dieu et pour Dieu seul.
quand nous dépensons toute notre force à nous disputer par esprit de pardon, nous n'avons plus la force pour servir Dieu. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voyons le verset 4. Mais que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, que personne ne pense à sa joie personnelle, à ses désirs personnels, à ce que je veux. Je veux me sentir bien, je veux être heureux. Il dit, ne devons pas penser à cela seul. Laisse entre les mains de Dieu. Viens sous le joug de Christ. Qu'il soit donc le contrôleur, celui qui dirige toutes tes actions. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, que chacun de vous considère aussi ceux des autres. Édifie les autres. Bâtis les autres. Console les autres. Fortifie les autres. Ne pense pas à toi seul. Dieu pense à toi. Il t'a envoyé dans le ministère. Pense seulement au ministère et comment servir les autres. Verset 5. Et dans le verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en vous. Que. Ayez. Laisse-moi entrer. Donne-moi la chance, ne m'attache pas, laisse-moi entrer. Ne me bloque pas, ouvre la porte et laisse-moi entrer. Laisse, c'est pour faire usage de ta propre volonté, de ta disposition. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne permets pas un autre sentiment d'empêcher la plénitude des sentiments de Christ en toi. Laissez ces sentiments être en vous qui étaient en Jésus-Christ. C'est la pensée d'amour, la pensée d'humilité, la pensée de la douceur, la pensée, l'empressement de servir le Seigneur, la pensée qui ne pense pas à toi seul, mais qui pense au bien pour les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Jésus-Christ. Et c'est cela qui nous rend puissants et qui nous permet de réussir dans l'œuvre du royaume. Et je prie que Dieu implante cela dans chaque cœur. Hébreux 12, les versets 1 et 2. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il parle du chapitre 11. Enoch, Abel, Noé, Abraham, Sarah, Abraham, pensez à lui, Isaac, Jacob, tous ceux qui sont énumérés dans le chapitre 11, ils avaient les sentiments de Christ.
Christ n'était pas encore venu, mais ils ont manifesté, ils ont exhibé les sentiments de Christ. Tout cela par la foi. Par la foi de celui qui venait. Et ils ont mené une vie agréable à Dieu. Il dit, maintenant comme nous avons une si grande nuée de témoins autour de nous, il dit, alors il n'y a pas un problème auquel tu seras confronté, que quelqu'un dans le chapitre on n'a jamais confronté. Il n'y a pas un autre. Il n'y a aucun défi auquel tu seras confronté, qu'aucun du chapitre on n'a jamais confronté dans sa vie. Il dit pour cela donc, ils ont mis de côté tout ce qui pouvait les arrêter. Rejetons donc tout fardeau. C'est quoi un fardeau? C'est quelque chose qui vous appuie. Quand vous pensez à vous-même, oh moi, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela arrive à Abraham? Quand tu penses à toi-même, oh je veux l'élévation. Je veux même que les gens exagèrent mes vertus. Ça c'est un fardeau. Je veux ceci des gens, je veux cela des gens. C'est un fardeau. Ça vous presse dessus. Parce que nous n'avions pas lu ta pensée. Nous ne savons pas ce que tu veux. Nous ne savons pas à quoi tu penses. Alors nous ne pourrons pas accomplir les désirs, les aspirations que tu as. Et comme tu regardes le monde qui ne chante pas tes louanges, ton cœur commence à s'enfoncer. Tu ne penses pas à l'évaluation, tu ne penses pas à l'élévation de Dieu, et les choses auxquelles tu penses commencent à te peser dessus. Rejette-les. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous ne parlons pas de tel autre péché, de tel autre péché là-bas. Le plus grand péché dans notre vie, c'est de nous projeter d'abord et Christ derrière. Le plus grand péché de notre vie. C'est projeter nos désirs d'abord et derrière nous avons les désirs de Christ. Les autres péchés, c'est à cause de nos désirs. L'alcool à cause de nos désirs. L'adultère, la fornication à cause de nos désirs. Céder à la chair, c'est à cause de nos désirs. Les luttes et les querelles. Parce que ce que je veux, on ne m'a pas donné cela. Ce sont nos désirs qui causent cela. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est parce que nous plaçons ce que nous voulons, ce que je veux, nos désirs d'abord. Et nous les mettons devant les désirs de Christ. Il dit, mettons cela de côté. Les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons. Et nous, je ne peux pas voir un coureur, un athlète qui court, qui pense, qui regarde derrière, qui regarde à gauche, qui regarde, ah, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, qu'est-ce que j'ai mangé ailleurs, hier. Non, quelqu'un ne peut pas courir avec ça.
Vous devez ôter la vie égoïste de votre vie. Vous êtes mort au péché, mort au moi, mort à la chair, mort au monde. Maintenant, vous pouvez courir dans la carrière qui vous est ouverte. Dans votre cœur. Il est puissant dans votre vie. Et Christ sera surnaturel dans votre vie. Vous pensez à lui et à lui seul. Vous ne pensez plus au moi parce qu'il est enseveli. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Si vous ne regardez pas la couronne qui vous attend devant, vous serez emballé, enfoncé et vous serez limité par la... Vous ne regardez pas l'avenir. Le couronnement de l'avenir. Les récompenses de l'avenir. La joie de l'éternité. La croix temporelle. La croix temporaire va vous peser tellement dessus. Pourquoi? Parce que vous regardez seulement aujourd'hui, vous ne regardez pas l'avenir. Il a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu peut vous donner la grâce pour que vous puissiez supporter tout ce qui vous vient. Il vous donnera la grâce. Il vous donnera la force. Il vous donnera la joie. Maintenant, vous allez vous rendre compte. Que quand vous retrouvez dans la même situation, vous pleurez par le passé. Comment vous pouvez être heureux dans la même situation où vous étiez triste et complètement désemparé? La grâce pour avancer. La grâce pour avancer, le Seigneur vous l'accordera. Pour moi. Où es-tu? Il te l'accordera au nom de Jésus. Vous voyez le verset 28 là-bas. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Christ regardait donc par anticipation au moment où il sera sur le trône. Il nous demande également de regarder au moment où nous serons sur le trône. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, la grâce salvatrice. Ayons la grâce qui sanctifie. Ayons la grâce suffisante. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Le troisième point maintenant. Enseigner son second avènement avec soupir et rajeunissement. Il est venu avant. Et il est allé sur la croix. Il reviendra encore. Il reviendra avec couronne. Il était venu avant pour sauver. Il reviendra encore pour
nous amener de la terre au ciel. Il était venu avant. Il était venu souffrir. Il était venu guérir. Il était venu porter nos fardeaux. Il reviendra encore. Pour ne plus supporter nos fardeaux, mais pour nous enlever des fardeaux du monde. Nous avons joui des provisions de sa première venue. Nous nous réjouissons maintenant du fait de son second avènement. Enseigne le second avènement. Mais est-ce que tu enseignes le premier avènement? Qu'il est venu sauver, il est venu guérir, il est venu délivrer, il est venu affranchir, il est venu détruire le diable, il est venu détruire les œufs du diable. Est-ce que tu enseignes cela? Est-ce que tu as le droit d'enseigner son second avènement si tu n'as pas enseigné son premier avènement? Qu'il était venu nous affranchir? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que tu crois ce qui est déjà arrivé? Si tu ne crois pas vraiment ce qui est arrivé à son premier avènement, est-ce que tu peux vraiment croire ce qui est arrivé à son second avènement? Il a guéri les malades à son premier avènement. Il va ressusciter les morts à son second avènement. Le miracle de la résurrection est plus grand que le miracle de la guérison. Le miracle de la résurrection, résurrection des milliers de personnes, des multitudes de personnes depuis 2000 ou plus de 2000 ans. Est-ce que tu peux croire à cela si tu ne crois pas au miracle de guérison qui a lieu à son premier avènement? Et dans sa première venue, il a détruit les œufs du diable. À son second avènement, l'enlèvement, la tribulation, et ensuite le second avènement. Il va enchaîner le diable et le mettre dans la fosse pendant 1000 ans au cours de son règne millénaire. Si tu ne crois pas vraiment la destruction des œuvres du diable lors de son premier avènement, est-ce que tu peux croire l'enchaînement du diable pendant son règne durant 1000 ans? Nous devons proclamer, nous devons enseigner tout ce qu'il a enseigné à son premier avènement. Alors, si tu n'arrives pas à croire à ce qu'il a fait à son premier avènement, et tu te dis que ah, c'est incroyable, c'est indéniable, comment peux-tu croire à ce qui arrivera, aux grandes choses qui arriveront? Nous allons croire. Je crois que le Seigneur reviendra encore. Mais pour le moment, tu crois à ce qu'il a fait à son premier avènement. Actes chapitre 1, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 9. Après avoir dit cela, pendant qu'il le regardait, il fut élevé. Il fut élevé par une main invisible, par une puissance surnaturelle. La loi de la gravité a été suspendue.
Il n'y avait pas d'échelle, il n'y avait pas d'avion. Il fut élevé. Comme Enoch, il fut enlevé. Cela est arrivé à Élie, il fut enlevé. Et cela arrivera à tous les vrais croyants à l'enlèvement, ils seront enlevés. Et pendant qu'ils le regardaient, il fut élevé pendant qu'une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, c'est là où il est allé. Quand Enoch fut enlevé, il est allé au ciel. Quand Élie a été enlevé, il est allé au ciel. Et quand Christ a été enlevé, ils avaient les regards fixés vers le ciel. Quand nous serons enlevés à la fin de la période de l'Église, enlevés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus, avec les traces des pieds, avec son côté percé, avec les clous aux pieds, ce même Jésus qui ressuscita le troisième jour, ce même Jésus qui a apporté la rédemption par son sang, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Et ces uns qui leur apparurent leur dirent, comme Enoch, comme Élie, ce Jésus a été enlevé au ciel. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est allé au ciel et il reviendra encore. J'ai dit reviendra encore. Parce que la parole de Dieu dit, voici je vous montre un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, nous serons changés. Et cette corruption revêtira l'incorruption. Il y aura un son du ciel. Des anges. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons restés, qui serons vivants. Nous serons tous ensemble enlevés avec ceux des nuées. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça peut être le matin, ça peut être dans l'après-midi, ça peut être dans la nuit. Et qui reviendra et nous emportera. Nous ne savons pas quand ça va venir, mais ça viendra. Et nous savons que c'est seulement ceux-là qui recherchent la paix avec toute la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ceux-là qui bénéficieront du retour du Seigneur lorsqu'il viendra nous enlever. Et nous verrons les saints marcher. Ce n'est pas quand les saints marcheront. Ce n'est pas quand les rétrogrades marcheront. Ce n'est pas quand les violents, les bagarreurs marcheront. Quand les saints marcheront,
Nous serons avec eux. Et nous devons enseigner notre assemblée cela. Nous devons enseigner à nos auditeurs cela. Pour qu'ils puissent maintenir cette relation avec le Seigneur, pour que lorsque les saints marcheront, ils soient dedans. Ils viendront, ils peuvent venir à tout moment. Tu seras parmi ceux qui marcheront avec lui. Je vais entendre ton amen. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Enseigne-le. Prêche-le. Vis-le. Crois-le. Vis avec cette compréhension. Christ peut venir à tout moment. Continue à... Continue à travailler avec Dieu, pour Dieu, avec cette compréhension, avec cette grâce salvatrice, avec cette grâce-là qui te soutient. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière.